Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. L'affaire Caroline Dickinson est une incroyable énigme judiciaire qui a été résolue grâce à la créativité et à la ténacité exceptionnelle des enquêteurs. Imaginez une jeune fille de 13 ans tuée en pleine nuit dans une chambre qu'elle partage avec 4 amis dans une auberge de jeunesse. Cela aurait pu sembler facile de retrouver les coupables, mais les enquêteurs sont rapidement dans l'impasse. C'est grâce à un incroyable concours de circonstances et à des méthodes d'investigation innovantes, dont Alan Bauer nous révélera les secrets, que la vérité finira par éclater. L'affaire Caroline Dickinson, meurtre à l'auberge de jeunesse, c'est un film de Louis-Mathieu Nivoz. C'est très compliqué de revenir dessus. Parce que toujours, ces images reviennent, tout le temps, tout le temps. J'en vois le matelas, j'en vois la gosse dessus, j'en vois la tache de sang, j'en vois... C'est ça qui revient tout le temps. Bien sûr. La chambre numéro 4, c'est celle qui est juste au-dessus de la porte d'entrée principale. Cette nuit-là, la fenêtre était ouverte. Aucune chambre n'était fermée. On s'est dit dès le départ, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas très loin, n'habite pas très loin, mais qui a cette appétence pour ces jeunes filles... Vous avez vu un peu toute la place qu'il a là pour observer, les entendre jouer, s'amuser, danser. Il y a plein d'endroits là. On a passé tellement de temps, tellement de jours, d'heures, de combien de fois on est revenu là avec des questions. Caroline, elle restera dans ma tête jusqu'au bout. Hein. Ouais, jusqu'au bout. On est 18 juillet 1996, le soleil se lève, l'auberge de jeunesse du village de Pleine-Fougère se réveille en même temps. Un groupe de 40 personnes, un collégien et accompagnateur de Grande-Bretagne, occupe une bonne partie quand même de l'auberge de jeunesse. Les quatre occupantes de la chambre numéro 4 se réveillent normalement, elles sont quatre collégiennes anglaises. Au milieu de la pièce est censée dormir Caroline, donc leur amie. Caroline ne bouge plus, ne répond plus à leurs appels. Ils vont aussitôt chercher les profs, puis aussi l'infirmière du groupe qui voit tout de suite que c'est grave et qui appelle un médecin du village de Pleine-Fougère. Ils découvrent donc Caroline allongée sur ce matelas. Elle semble endormie. On remarque malgré tout une tache de sang au niveau de son bassin. Il est bien obligé de constater le décès de Caroline Dickinson. Le médecin identifie une tache de sperme au niveau de sa cuisse. On ne sait pas encore comment est-ce que Caroline est morte, mais on peut d'ores et déjà penser qu'elle a été agressée sexuellement. Elle n'est pas morte de cause naturelle, c'est évident. Ensuite, la gendarmerie arrive et l'enquête commence voilà, aussitôt. Les gendarmes qui sont appelés, les gendarmes de Pleine-Fougère, n'ont absolument pas l'habitude de traiter ce genre de cas. Pour eux, ça leur tombe sur la tête, mais il faut se mettre à leur place. Hein. Caroline est allongée sur un matelas posé par terre, au pied de quatre lits superposés. On la retrouve comme ça. Elle avait juste son t-shirt, un t-shirt bleu. Elle avait donc son caleçon en boule hein, entre ses jambes. Et puis elle avait son doudou, là, sa pluche. On avait l'impression qu'elle est morte là. Il n'y a pas eu de mouvement, le matelas ne semble pas avoir bougé. Donc ça, pour les premiers techniciens qui constatent ça, c'est vrai que c'est une réelle question. On retrouve également un morceau de coton à côté de son corps. On ne sait pas d'où il vient, qui l'a utilisé, à quoi il a servi. Donc toutes les hypothèses sont encore ouvertes à ce moment-là, quant à la manière dont Caroline a été tuée. On se dit, c'est pas possible, quoi. Une jeune fille de 13 ans et demi vient en Bretagne, à Pleine-Fougère, trouver la mort dans des conditions comme ça. Ce jour-là, je suis sur une des plages de Saint-Malo. J'avais un portable, c'était rare à l'époque. Et j'apprends qu'il s'est passé quelque chose à Pleine-Fougère. Et on me dit, c'est l'auberge de jeunesse. Et l'affaire Dickinson, pour moi, commence à cet instant. Évidemment, très vite, je file à Pleine-Fougère. Et là, je découvre la présence d'un certain nombre de véhicules de gendarmerie. Dans une commune aussi petite en population, hein, ça passe pas inaperçu. Plusieurs véhicules de gendarmerie, tout de suite, on imagine qu'il y a eu quelque chose de grave, mais c'est un cataclysme. Personne ne pense à un drame de la sorte. C'est inimaginable, en fait, pour Pleine-Fougère. C'est inimaginable.
On est vraiment dans un village, un gros village de campagne. Même si on n'est pas dans une ville côtière et avec un monde énorme, enfin malgré tout, on est situé entre deux sites importants, le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Il y a pas mal de touristes qui passent là l'été. Il y a beaucoup de ressortissants britanniques aussi qui habitent ou qui séjournent dans la région. Très recherché, très connu par les Anglais parce que c'est calme, justement. Pour les voyages scolaires, ça représente une base de départ idéale pour partir à la découverte de ce coin de Bretagne. Je connaissais Plaine Fougère, donc je fais quelques pas. J'essaie d'aller voir dans le café qui se trouve face à l'auberge de jeunesse, de poser des questions. Personne ne sait. Évidemment, pas question d'entrer dans l'auberge de jeunesse. Donc je reste autour. Je ne vois rien. Tout se passe à l'intérieur. Les premiers gendarmes qui arrivent sur place trouvent une auberge dans un mouvement général innommable, quoi. Ça, je vous dis, personne ne parle le français, donc ça rentre, ça sort, ça déplace des affaires, les sacs et tout. Donc c'est très compliqué d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une scène de crime bien protégée. C'était absolument pas le cas. Ça fait quand même 40 collégiens et adultes à entendre pour les enquêteurs. C'est beaucoup. Et en plus, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Il faut trouver des traducteurs, il faut trouver... Ce viol et ce meurtre dans une toute petite pièce où dormaient quatre gamines, c'est très étrange. D'autant plus que deux d'entre elles, en fait, ont vu et entendu quelque chose. L'une d'elles se souvient d'un bruit de sac de couchage qu'on ouvre, de jambes qui s'agitent à l'intérieur de ce sac de couchage, et puis de grognements, d'une toux un petit peu rauque, et puis de gémissements aussi. Elle croit avoir entendu Caroline dire « Mum, mum, help », donc d'appeler sa mère à l'aide. Elle pense que sa voisine de chambre fait un cauchemar et elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elles n'ont absolument pas compris ce qu'elles entendaient et voyaient dans une espèce de demi-sommeil. Jamais elles n'auraient pu penser à ce qui était en train de se passer à côté d'elles, vraiment, parce qu'elles sont à quelques dizaines de centimètres. Et on se dit, mais comment est-ce possible que Caroline, allongée sur son lit, se fasse agresser sans qu'aucune personne n'ait entendu quoi que ce soit? Après coup, certains, notamment un professeur, je crois, et des élèves, se sont rappelés avoir vu des allées et venues bizarres. Donc il y a eu pas mal de mouvements tout ce soir-là dans l'auberge. Des adultes qui allaient prendre une douche, qui allaient à leur chambre. Un animateur, notamment, se souvient avoir croisé quelqu'un qu'il n'avait pas vu avant dans la journée. Des collégiennes également voient un homme qui passe dans le couloir et attend un petit peu, et voit ce même homme un quart d'heure après qui repart. Une encadrante également, sur les coups de 4 heures, entend des pas sur le gravier. Elle imagine que c'est un des collégiens qui fait le mur peut-être, donc elle se lève, elle regarde, elle ne voit rien. Et puis une heure après, elle entend ces mêmes bruits sur le gravier, une voiture qui part en trombe. Cette nuit-là, dans l'auberge, ne dorment pas seulement les jeunes Anglaises. Il y a aussi d'autres personnes, notamment deux couples de motards. Le couple a été réveillé par une porte qui s'ouvre. Et là, ils ne comprennent pas. Ils se disent oh, « c'est quelqu'un qui s'est trompé de chambre ». Mais la femme de ce motard, elle a quand même pas très rassurée, quoi. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui se balade dans le couloir, qui ouvre des portes. Donc vous imaginez pour les enquêteurs la difficulté aussi, parce qu'ils se disent « mais il y a peut-être quelqu'un qui est passé dans la nuit, qui est reparti très tôt le matin et on le saura jamais ». L'enquête n'a pour l'instant débouché sur aucune piste sérieuse et les auditions se poursuivent. On fait le maximum pour retrouver l'auteur. Il y a un aspect mystérieux, évident, dans cette affaire. Comment se fait-il que le meurtrier ait pu agir comme il l'a fait sans réveiller les autres? Aucune effraction a été constatée au matin du 18 juillet, donc les hypothèses se resserrent vraiment autour de l'auberge de jeunesse. Le chauffeur de bus, les accompagnateurs masculins et quelques garçons ont subi des auditions un petit peu plus poussées, avec des questions plus précises sur le déroulé de leur nuit, de leur soirée, à quelle heure ils sont allés se coucher, enfin voilà. Mais là, dans les premiers temps, non. Il n'y a pas de témoignage particulier, il n'y a pas de personne, il n'y a aucun individu suspect, entre guillemets. Le corps va être transporté sur Rennes, où il y aura une autopsie. On a une conclusion très claire, hein. On a une asphyxie mécanique suraiguë, c'est-à-dire qu'il y avait obstruction des voies aériennes supérieures. Il y a ce morceau de coton qu'on retrouve tout près du corps de Caroline.
Au début, les enquêteurs vont croire qu'il s'agit d'un morceau de coton qui a été oublié là par un médecin. Suite à des examens vraiment précis menés sur ce morceau de coton, on retrouve des traces microscopiques de salive et de sang de Caroline. Donc on va vraiment identifier ce coton comme l'arme du crime. Un adulte qui applique un morceau de coton sur la bouche et le nez d'une jeune fille comme ça de 13 ans et demi qui dort ou qui vient de se rendormir, vous savez, en quelques minutes, elle tombe dans un premier coma. Hein. Il y a eu également viol de l'adolescente. Il y a une trace ADN sur le corps, les vêtements de Caroline, ce qui fait partir l'enquête sur un double crime. Donc cette trace, elle est fondamentale. Heureusement, c'est notre fil d'Ariane, c'est notre guide. On a cette empreinte génétique globale et totale sur laquelle il va falloir mettre une identité et la rapprocher à un individu. Et ça, ça va se révéler évidemment fondamental pour l'enquête. Bien sûr, au bout de 24-48 heures, la presse nationale est là. Et évidemment, le fait que cette victime soit une jeune Anglaise fait venir très rapidement beaucoup plus de médias d'outre-Manche. C'est un fait divers terrible. À ce moment-là, de l'été, beaucoup de parents ont confié leurs enfants à des colonies de vacances. Et c'est vrai que chacun peut s'identifier au malheur qui touche la famille Dickinson. Quand les premières photos de Caroline ont été diffusées, ça donne à l'opinion publique une autre dimension de l'affaire. C'est-à-dire que là, on la voit, cette enfant. On voit ses boucles blondes, on voit cette petite puce. Sa photo, je veux dire, à l'instant, j'ai son visage dans le cerveau. Bien sûr. C'était une chouette petite gamine. C'est une enfant de 13 ans, pleine de vie. Elle a une petite sœur qui s'appelle Jennifer. Ses parents sont séparés, elle vit avec sa mère. C'est une enfant souriante, qui travaillait bien à l'école, qui vient en vacances parce qu'elle aime le français et qu'elle veut découvrir cette langue. Artiste, joyeuse. Donc c'était le premier voyage à l'étranger et qui était partie enthousiaste. Pour elle, c'était un voyage de découverte, sans doute pour les autres aussi. Hein. Alors c'est un groupe qui arrive à Pleine Fougère le 14 juillet. Donc ils commencent par la baie du Mont-Saint-Michel, ensuite ils vont aller découvrir Bayeux et également Saint-Malo. Ils vont aller à la plage, les jeunes s'amusent, en profitent. C'est vraiment des vacances insouciantes d'une quarantaine d'enfants qui découvrent la France. Caroline écrivait à ses parents des mots disant qu'elle passait des super vacances. Cher papa, je suis en France. C'est super ici, je m'amuse beaucoup. Comment vas-tu? On a été dans plein d'endroits géniaux. Je te raconterai tout ça bientôt. Je t'aime fort et j'adorerais que tu sois là, Caroline. C'est vraiment le portrait d'une petite fille comme on en connaît tous, comme on en a tout été. On apprendra aussi par la suite les conditions dans lesquelles elle est venue, puisque sa maman ne voulait pas qu'elle vienne. Son papa a insisté, a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle puisse quand même partir dans ce voyage, imaginez, alors que les parents sont en instance de séparation et de divorce. Une petite cité située à quelques kilomètres au nord de Plymouth. Caroline était l'une des leurs. Aujourd'hui, c'est le curé du village qui joue les porte-paroles de cette famille meurtrie. Nous espérons que les autorités vont redoubler d'efforts pour interpeller le meurtrier. L'homme qui a privé Caroline de son avenir et qui nous a enlevé une adorable enfant ne doit plus jamais commettre un tel crime. Les Anglais vont vraiment s'intéresser à cette affaire, au destin qui touche cette famille. Et forcément, la caisse de résonance va être double et la pression d'autant plus forte sur les épaules des enquêteurs. C'est évident que c'est quelque chose de très grave, qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis tout de suite pour essayer d'interpeller un suspect rapidement. Dans les toutes premières journées qui ont suivi la mort de Caroline, il y a cette arrestation de cet homme, un routard, qui marche sur le bord d'une route. Les gendarmes cherchent un suspect qui ne serait pas du pays, qui aurait profité de son passage pour commettre des faits horribles. Il passe par là, il est tatoué de partout. Et le gendarme a la puce à l'oreille. Un routard dans le coin. Et pourquoi ce serait pas lui? Patrice Padé, il a un passé judiciaire qui est quand même aussi sur des infractions un petit peu de ce style-là, hein, d'agression sexuelle. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes avec l'alcool. Ensuite, il est interrogé, placé en garde à vue. Tu sais ce qui s'est passé à Pleine Fougère? Bah oui, oui, j'en ai entendu parler à la radio. Il est assez incohérent sur ses propos et ses explications. On va pousser plus loin l'interrogatoire, la garde à vue. Mais c'est pas une audition non plus qu'on fait à la sortie de l'église le dimanche matin. Hein. L'enquêteur, il a aussi cette pression qu'il doit mettre sur un gardé à vue.
qu'est-ce qui s'est passé pendant cette garde à vue. Seul Patrice Padet et les gendarmes peuvent le dire, mais Patrice Padet était harcelé de questions de plus en plus incisives. Il va un petit peu craquer sous la pression des enquêteurs. Il va passer aux aveux, bien évidemment, il va même faire un dessin, enfin bon, il va réitérer ses aveux devant le magistrat, et il sera donc mis en détention. Le prélèvement est fait sur lui et ça part au laboratoire. À cette époque-là, 96, il nous fallait une bonne dizaine de jours pour obtenir un résultat. Il reste qu'à attendre. Les gendarmes, comme le magistrat, deviennent un peu plus bavards. Une conférence de presse a lieu au palais de justice à Saint-Malo. Il y a là réuni toute la presse, y compris la presse britannique. Et là, les gendarmes nous annoncent qu'ils ont obtenu les aveux d'un homme qui reconnaît avoir violé et assassiné Caroline Dickinson. On a le sentiment que l'affaire est ficelée. Le juge a dit, lui, que bien sûr, les expertises ADN viendraient confirmer que c'était bien cet homme dont on a retrouvé la trace génétique sur les lieux du crime. Une affaire rondement menée, évidemment, il y a beaucoup de félicitations qui pleuvent sur la gendarmerie. De chaque côté de la Manche, on s'est réjoui de l'efficacité de la police française et de la gendarmerie française et des enquêteurs pour avoir bouclé cette affaire aussi vite. L'enquête sur la mort de Caroline Dickinson semble donc sur le point d'être bouclée. Mais si l'ADN permet souvent de confondre des criminels, il peut aussi disculper des innocents. Et les résultats des analyses génétiques vont venir mettre à mal les premières certitudes des enquêteurs. Quelques jours après, le résultat est négatif. Ça n'a strictement rien à voir. C'est certainement un des plus mauvais souvenirs de ma carrière gendarmerie, ça. Et là, mon patron me dit, il va falloir expliquer tout ça à tout le monde un peu. Ça a été difficile d'expliquer pourquoi c'était pas lui. Hein. Et je le comprends, ça aussi, hein, pour les enquêteurs qui ont obtenu les aveux, qui l'ont mis en détention. Vous prenez une énorme claque. C'est une remise en cause, mais certains ne le font pas. Moi, j'ai entendu dans la salle, quoi. Moi, on m'a dit, c'est peut-être pas son empreinte, mais il était là. Les enquêteurs ont tout fait pour incriminer Patrice Padet. Ils ont travaillé exclusivement sur cette piste-là. Si ce n'est pas lui, peut-être est-il le meurtrier ou peut-être accompagnait-il le violeur. Ça tenait pas debout, cette hypothèse-là, parce qu'un homme qui vient dans une toute petite chambre sans provoquer d'alerte, c'est déjà énorme. Alors deux personnes qui seraient complices pour un double crime, franchement, c'était pas une hypothèse plausible. Et l'affaire prend une autre tournure, c'est-à-dire que cette conférence de presse qui avait une forme de victoire s'évanouit totalement, tout tombe, tout s'effondre. C'est un coup de massue pour les enquêteurs, pour la population de Plaine-Fougère, bien sûr pour le juge d'instruction, pour les parents de Caroline Dickinson. La réaction profonde qu'ils ont eue, c'est de se dire qu'un innocent avait été accusé à tort. Et ça c'était leur réaction, d'être choqués. Par voie de conséquence, ils se sont posés des questions sur la qualité de l'enquête, hein, forcément. Ils peuvent continuer à enquêter, mais s'ils n'ont pas de pistes sérieuses, où cela les mènera-t-il ? Peut-être faudra-t-il compter avec la chance. J'ai le sentiment que l'homme finira par être arrêté. Faudra-t-il pour cela qu'il commette un autre meurtre ? La justice française, du coup, est l'objet de toutes les critiques. C'est un échec considérable. L'enquête repart vraiment de zéro. On a perdu 3 semaines. Donc il va falloir mettre en œuvre vraiment un arsenal de moyens pour rattraper justement ces erreurs initiales. Donc il faut tout ouvrir. Toutes les hypothèses possibles. Il commence par quoi ? L'activité des jeunes dans les derniers jours. Est-ce qu'un problème leur a été rapporté ? Est-ce qu'un individu a un comportement déplacé ? Il faut remonter aussi dans les années précédentes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci dans cette auberge les autres années ? Est-ce qu'un type n'a pas été vu, rôdé ? Voilà. C'est un travail de fourmi, hein, un travail d'enquêteur. Il faut mettre des équipes d'enquêteurs sur toutes ces pistes-là. Évidemment, plus les jours passent, plus on se dit que l'auteur des faits, meurtrier, violeur, lui a eu le temps de quitter la région. C'est toujours pareil. Le temps, il joue plutôt contre les enquêteurs. Les semaines passent et le papa de Caroline Dickinson s'impatiente parce qu'on ne trouve pas de solution. On n'a pas de piste. On n'a rien. La conviction de la famille Dickinson, c'était que le dossier piétinait. Et pour être franc, je partageais largement cette opinion. Sa crainte, certainement, c'était qu'au fil des mois et des années, on finisse par se dire qu'on ne peut pas trouver le coupable et que ça devienne une de ces affaires non résolues, un de ces cold cases, comme on dit en anglais. La famille souhaite que le dossier soit entièrement repris, en quelque sorte qu'il y ait une remise à plat. Réenvisager, d'un point de vue théorique, toutes les explications possibles de ce qui demeure
un double crime mystérieux, non seulement tragique et horrible, mais mystérieux en plus. On pouvait imaginer, au départ au moins, que l'auteur des faits connaissait les lieux et pouvait donc être de pleine fougère. Donc il était légitime de s'intéresser à la population masculine de cette commune. John Dickinson estime qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait déjà tester la population de pleine fougère pour écarter ce doute-là qui persiste et qu'on mette des moyens. La défense de mes clients, la recherche de la vérité, ça passait par l'utilisation de la génétique, puisque la génétique avait en Grande-Bretagne fait la preuve de son utilité. Et donc j'ai formalisé cette demande de test génétique systématique. Le juge m'a dit non, et j'ai fait appel de son refus, et c'est donc venu devant la cour d'appel. Un an après le drame, les parents de Caroline Dickinson s'impatientaient, accusaient les enquêteurs français d'avoir commis des erreurs. Aussi, quand la cour d'appel de Rennes a déchargé le juge d'instruction du dossier et annoncé la mise en œuvre de tests ADN sur les hommes de pleine fougère, leur réaction fut positive. Nous sommes vraiment très heureux que la cour d'appel ait décidé de reprendre le dossier en main. Ces investigations seront désormais menées par Renaud Van Ruynbeck, conseiller auprès de la cour d'appel. On le voit dans ce dossier, l'arrivée du juge Renaud Van Ruynbeck change la donne. Qui est-il exactement, Alain ? C'est un magistrat pragmatique, expérimenté, qui sait faire face à la pression, qui est connu des enquêteurs et des médias, et qui arrive dans cette affaire par un hasard extraordinaire, puisque magistrat de permanence, il préside la session de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, qui est saisie de la requête de la famille Dickinson, tendant à des expertises supplémentaires. Et il va y faire droit et aussi se désigner lui-même pour assumer le remplacement quasiment automatique du juge d'instruction alors chargé de l'affaire. En quoi sa façon d'enquêter est-elle particulière ? Alors, il est d'abord extrêmement indépendant, il est très méticuleux, il va reprendre l'affaire, en explorer toutes les options et surtout, dans ses très récentes mémoires, il va expliquer lui-même sa technique. Jusqu'au bout, je doute, y compris de ma technique. Car j'improvise, je mets au point une méthode nouvelle. Cette rationalité, je la mettrai ensuite au service de mes enquêtes financières. Et effectivement, on va le voir rapidement, cette nouvelle approche va faire avancer l'enquête. C'est un magistrat qui était déjà bien évidemment très connu, très respecté, mais qui, justement, qui faisait peur. Hein. Enfin, nous, enquêteurs, on se disait tous, moi je me souviens, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va décider ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et on n'a pas tardé à le savoir. On est frustré de ne pas avoir été là au départ, de ne pas avoir conduit l'enquête dès le départ, de ne pas avoir défini des axes, etc. Mais j'ai le recul en même temps. La cellule Caroline est constituée à la demande de M. Van Ruynbeck à Saint-Malo, et les hommes qui en faisaient partie, ce sont les hommes que M. Van Ruynbeck voulait avoir. Et je n'avais conservé que ceux qui n'avaient pas participé à l'interpellation de Padet, notamment. On élimine, on repart sur d'autres bases, et on rentre dans une enquête qui est systématique. Début septembre, grande réunion. Donc tous les enquêteurs viennent. Il y a 15 gendarmes qui sont affectés à la cellule. Et là, j'évoque la théorie des cercles. Cette théorie des cercles, c'est simple. Il y a un noyau central, pleine fougère. Donc c'est le premier cercle. Dans le premier cercle, on teste tout le monde. On ne se pose pas de questions. Toute la population. Deuxième cercle, les cantons autour de pleine fougère. Là, on va tester les personnes connues pour vol, pour mœurs, pour... voilà. Troisième cercle, la Bretagne, une partie de la Normandie. J'ai demandé aux gendarmes de rechercher tous les délinquants sexuels qui étaient sortis des prisons de la région. Donc, il faut ratisser extrêmement large. Et puis, le quatrième cercle, c'était celui des auberges de jeunesse de France. Celui-là, il englobe toute la France. Donc à la fin de la réunion, j'explique tout ça, je demande, voilà ce que je vous demande de faire. Est-ce que ça vous est possible de ressortir toutes les procédures sur toutes les auberges de jeunesse de France ? Et là, je sens quand même là, jusque-là tout allait très bien et je sens une réticence. Là les gens, moi je me rappelle, récemment d'enquêteurs, ils se sont dit, mais attends, il est fou. Parce que lui, il ne s'arrêtait pas au viol et bien sûr aux homicides de jeunes filles. Hein. Non, c'était intrusion dans les auberges, dans les campings, tous les lieux qui recevaient des jeunes filles et des jeunes garçons, les vols de sous-vêtements,
l'exhibitionnisme, tous les faits, tous. Un an après, comme en été 96, Plaine Fougère a perdu sa tranquillité pour revivre au rythme de l'enquête Dickinson. Dans ce bourg, beaucoup se disent prêts à subir les tests pour en finir avec cette affaire. Tout le monde aimerait bien savoir ce que c'est quand même. Si c'est quelqu'un du coin ou... S'il faut y aller, on ira, puis c'est tout. En espérant qu'il n'y a pas d'erreur dans les tests. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension, et c'est autant ça finalement qui intéresse les journalistes étrangers que la résolution du crime. C'est voir comment est-ce qu'une population réagit à ce test. Donc les habitants de Plaine Fougère sont à la fois soulagés parce qu'ils vont pouvoir, ils l'espèrent, prouver collectivement leur innocence. Mais en même temps, effectivement, ça met vraiment les pleins phares sur ce petit village tranquille qui souffre déjà de ce terrible drame et qui voit débarquer des journalistes venus du monde entier. Ça va être le soulagement dans le village? Je le souhaite, pour tout le monde. Parce que la population de Plaine Fougère, on commence à me torcher la tête. Les gendarmes ont parfaitement monté l'opération avec les laboratoires de police scientifique. Ça a été vraiment remarquablement fait. Ça partait assez rapidement dans les laboratoires, analysé, et tous les résultats ont été négatifs. Le meurtrier n'est pas quelqu'un de Plaine Fougère. C'était une délivrance, une vraie délivrance. Ça ne m'a pas fait avancer plus que ça, parce que j'aurais préféré... Moi, ce que je cherche, c'est l'auteur, évidemment. On ferme une porte. Donc maintenant, on va s'intéresser davantage aux autres cercles. Il reste tout l'entourage de la région, hein, tous les gens qui sont passés, qui ont travaillé. Les enquêteurs ont aussi, dans les mois suivants, fait le tour des prisons françaises, des hôpitaux psychiatriques pour faire des tests ADN. Ça fait des milliers d'informations à vérifier, hein. Donc là, on est passé sur une campagne de tests ADN à très grande échelle, hein. Je ne sais pas si vous voyez la masse de travail. Vous savez, vous vous découragez vite, hein. Vous vous dites, où est-ce qu'on va, là? Le journaliste ne confond pas son rôle avec celui du policier, mais pour autant, on a envie de savoir. Ça devient une obsession. J'ai senti ma mutation comme un soulagement, mais je suis parti en plein mystère. Plus d'un an et demi après le meurtre, on apprend par le témoignage de la directrice du collège de Launceston qu'un enseignant qui faisait partie du groupe de Plaine Fougère s'est confié à elle et lui a dit que cette nuit-là, il avait croisé quelqu'un dans les couloirs de l'auberge. Il se dit, c'est lui. J'ai vu l'auteur de l'agression de Caroline. Les enquêteurs retournent donc en Angleterre l'interroger et l'homme fond en larmes. Il va se mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que depuis, il a la sœur à Caroline dans sa classe. Et il nous dit, il dira qu'il ne peut pas soutenir le regard de cette jeune fille parce qu'à chaque fois, ça lui rappelle ce qui s'est passé à Plaine Fougère. Il est vraiment accablé par la culpabilité de ne pas avoir livré ce témoignage plus tôt. Il est soulagé, en fait, à ce moment-là, de pouvoir vraiment participer comme il aurait dû le faire dès le début à l'enquête. Et il se trouve que cette personne dessine remarquablement bien. Il va faire un dessin, ça va être notre portrait robot. Le meurtrier présumé de la jeune Anglaise, Caroline Dickinson, n'est plus un fantôme. Un an et demi après les faits, le père, John Dickinson, reprend espoir. Donc on prend la décision de faire un appel, un témoin, ce qui se fait d'ailleurs beaucoup en Grande-Bretagne. Et l'appel, c'est M. Dickinson qui va le faire. Il dit à un moment donné, parmi tous les gens qui nous écoutent, il suffit d'une personne qui se pose des questions, qu'elle se manifeste. Je pense que c'est un portrait précis du meurtrier probable, et comme je l'ai déjà dit, j'espère beaucoup que lorsqu'il sera vu par les Bretons, qui je le sais veulent m'aider, ceux-ci témoigneront. Ça permet d'impliquer tout le monde dans la quête de l'assassin Caroline Dickinson. Ça permet aussi de mettre en place le numéro vert. Je crois qu'il y aura plus de 4000 coups de fil suite à la diffusion de ce portrait robot dans le temps. Il y a des enquêteurs qui disent, quand on parle d'une affaire, c'est bien parce que ça fait du bruit autour, donc ça provoque des témoignages. Il y a ceux qui disent aussi, bah oui, mais là, on va recevoir tant de coups de fil qui vont nous amener sur des fausses pistes. Il faudrait demander aux enquêteurs si le portrait robot les a beaucoup aidés. Moi, je pense qu'au final, c'est pas ça qui l'a emporté. Souvent, la clé, elle est dans le dossier. La clé qui m'a été utile, c'est qu'il y avait un deuxième fait dans une auberge de Saint-Lunaire au cours de la même nuit, 60 km de Plaine Fougère. Donc je me suis fait communiquer le dossier. Quelques heures plus tôt, donc entre 2h et 3h du matin, c'est pareil, c'est une auberge de jeunesse, c'est le centre de loisirs Les Horizons, donc à Saint-Lunaire, qui est une petite station balnéaire près de la côte d'Émeraude.
Les faits remontent dans la nuit du 17 au 18 juillet. Cette jeune Anglaise, Kate Wrigley, qui se fait agresser dans la chambre. Une chambre pareille. Un individu rentre, s'approche de Kate, pareil, lui met la main sur la bouche, va lui retirer son caleçon. Là, il y a un bruit. Deux jeunes filles sont réveillées. L'une d'elles allume la lumière. Et là, un homme prend la fuite. Sans claquer la porte, sans courir, sans rien. Il s'en va. Kate et sa camarade vont chercher leur prof, leur accompagnatrice, à qui elle raconte ce qui s'est passé. Mais vu qu'elles doivent prendre le ferry le lendemain, on décide finalement de ne pas porter plainte et de ne pas signaler, outre mesure, cette intrusion. Les parents ne sont pas prévenus en retour en Angleterre. Et puis, c'est simplement quand il y a dans la presse anglaise l'annonce du décès de Caroline Dickinson, dans les conditions dans lesquelles elle est décédée, que là, Kate a dit à sa maman, « Moi, je ne peux pas garder ça pour moi. » Il m'est arrivé la même chose. Si les faits de Saint-Lunaire n'ont pris leur place que tardivement, c'est d'abord la faute des accompagnants du groupe scolaire, puisqu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Celui qui s'est véritablement intéressé au lien possible entre les faits de Saint-Lunaire 2 heures avant les faits de Plaine-Fougère, c'est Renaud Van Rumpuyck. J'ai étudié toutes les auditions et je me suis aperçu que la scène décrite à Saint-Lunaire était celle décrite à Plaine-Fougère. Or, les jeunes filles de Saint-Lunaire ne pouvaient pas connaître dans le détail tout ce qui s'était passé à Plaine-Fougère. C'était pas possible. Pour M. Van Rumpuyck, dès qu'il va avoir cette information, pour lui, tout de suite, c'est le même homme. Mais tout le monde est reparti sur Saint-Lunaire, il n'y a pas de constatation possible, on n'a pas non plus d'éléments, à part ce témoignage. La vraie difficulté, c'est que tant que vous n'avez pas la solution, vous êtes dans le brouillard. C'est tout le travail de l'enquêteur ou du juge d'instruction, c'est qu'il faut qu'il ait des intuitions. Bientôt, ça fera plus doute que l'agresseur elle-même, effectivement, entre Saint-Lunaire et Plaine-Fougère. Caroline Dickinson a été étouffée avec un coton. Le coton qu'on avait correspondait à du coton anglais. Or, on n'a pas trouvé trace de coton dans les affaires des Anglaises de Plaine-Fougère. Le lien avec le morceau de coton est fait lorsque nous procédons à l'audition de Kate Wrigley en Angleterre. Sa maman l'appelle pour qu'elle nous montre le coton qu'elle lui avait donné pour son séjour en France. Et c'est exactement celui-là, c'est exactement le même. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est qu'il avait pris le coton à Saint-Lunaire et l'avait utilisé pour étouffer Caroline Dickinson. Voilà le scénario. Ça crée un lien supplémentaire entre les deux agressions. Ça correspondrait plutôt bien, effectivement, à un homme qui échoue une première fois à Saint-Lunaire et qui vient à Plaine-Fougère pour cette fois-ci aller au bout de son crime. Vous savez, en Grande-Bretagne, je me suis aperçu qu'ils étaient très en avance sur nous et qu'on avait tout à apprendre. Ils associaient dans leurs enquêtes un psy et un très bon. Il ne va pas vous donner la recette, mais vous allez l'intégrer dans votre raisonnement. L'idée de M. Van Rumpuyck de se rapprocher de ce genre de spécialiste était une idée heureuse, innovante à l'époque et judicieuse. L'obsession que j'avais, c'était de faire ce qu'on appelle du profiling sans le dire. C'est-à-dire sélectionner des catégories de personnes qui peuvent rentrer dans la case. Il faut comprendre la personne qu'on a en face de soi. Les enquêteurs français auront l'occasion de discuter avec un profileur pour Scotland Yard et qui va leur peindre le portrait d'un animal, en fait, hein, qui choisit ses proies et qui, en même temps, gère très bien ses risques. Quelqu'un qui laisse sa trace et disparaît, et pour lequel le corps de la victime, c'est un objet, c'est vraiment un accessoire nécessaire à la réalisation de ses fantasmes. Grande mobilité, facilité de se déplacer, de nuit, connaissance de la région, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, connaissance de l'implantation des auberges. Le mode opératoire laisse aussi penser que l'agresseur est un habitué de ce genre de fait. Il ressort du témoignage des jeunes filles de Plaine-Fougère et de Saint-Lunaire que l'agresseur repart avec un grand calme, qu'il ne panique pas. Ça laisse apparaître effectivement un profil très très inquiétant, qui serait plutôt dans la récidive, qui n'en serait pas à son coup d'essai. Le juge Van Rumpuyck décide de faire établir un profil psychologique du tueur. C'est une approche nouvelle à l'époque, Alain ? En France, oui. Car l'arrivée du profilage criminel est une méthode importée des États-Unis et qui a mis beaucoup de temps à trouver sa place dans les outils français. C'est une analyse psychologique qui permet à des enquêteurs et à des experts d'identifier le profil des auteurs après les faits. Mais ça permet aussi d'anticiper ou de relier un fait à une série
complète, c'est ce qu'on appelle la sérialité, et c'est très important pour les serial killers notamment. Deuxièmement, en criminologie, ça permet d'analyser les indices de la scène de crime, de rajouter le mode opératoire, puis de projeter l'identité potentielle des gens qu'on cherche, qu'ils soient connus ou moins connus. Dans l'affaire Caroline Dickinson, ce travail innovant à l'époque donc permet au juge Van Ruymbeck d'affiner ses recherches pour mieux cerner le coupable. Ce profil va aider les enquêteurs, ça va les conforter dans le profil de cet habitué de la nuit qui parcourt comme ça les auberges de jeunesse en quête de proie que sont les jeunes filles. Le juge Van Ruymbeck va solliciter toutes les brigades de gendarmerie et tous les commissariats de police de France en leur disant « Faites-moi remonter toutes ces affaires suspectes d'intrusion nocturne dans des centres de vacances qui hébergeaient des jeunes filles » et en remontant 3 ans en arrière. Cette demande, elle est faite avec l'espoir qu'effectivement, par le passé, cet homme furtif, vraiment fugitif, soit fait prendre. C'est un travail gigantesque qui attend les enquêteurs de la cellule Dickinson qui vont devoir gérer toutes ces informations. Et là-dedans, je fais le tri, je passe du temps à étudier tout ça, et ne m'intéresse que les gens identifiés. Ceux qui ne sont pas identifiés, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche des noms pour pouvoir les tester et voir si l'ADN correspond. C'est tout. Voilà. Et je me souviens, il en sort 95. 95 ans. Dont certains, d'ailleurs, me paraissent particulièrement intéressants. Très rapidement, il nous a fait mettre des critères que lui a définis avec des pastilles de couleur sur les dossiers. Alors, il y avait les verts. Moyennement intéressant. Les oranges, ils sont intéressants. Les rouges, alors les rouges foncés, on a peut-être eu 7 ou 8. Ceux-là, ils sont quand même, ils ont plein de critères. Des critères de ressemblance avec un portrait robot. Après, il y avait des gens connus pour des faits similaires. L'intrusion auberge, peut-être une sortie de prison. Enfin, oui, tout ça, c'était des critères. Et quand il y en avait un certain nombre qui trouvaient que c'était intéressant, ils nous les faisaient prélever. C'est dur pour eux, parce que c'est un travail de longue haleine qui est rébarbatif, mais ils l'ont fait et ils ont toujours répondu présent. Ils ont fait un travail de titan, et sans être sûr que ça sert à quelque chose. Les semaines et les mois passent et vous arrivez à vous poser des questions. Il savait qu'il avait peut-être un risque de nous épuiser, mais c'était un passage obligé, et il avait bien raison. Il était probable qu'il n'allait pas se présenter spontanément à la première convocation, c'est évident. Mais quand vous éliminez des rouges foncés, au fur et à mesure, vous commencez à douter sérieusement. Il y en a, mais ils avaient quasiment tous les critères. Et moi, je me rappelle, on l'appelait, on disait, mais on est sûr que c'est lui, quoi. Monsieur le juge, franchement, là, si c'est pas lui, bah oui. Quand le résultat tombait, boum, négatif, quoi. Il fallait qu'il soit dans le filet. Mais on ne le sait pas, tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas le savoir. Pendant 3 ans, c'est très ingrat, on ne va pas le trouver. Et plus on avance, moins on a la certitude de le trouver. Je me souviens, c'était donc un vendredi où on va chercher à la cour d'appel et on monte à Saint-Malo. Et le long de la route, M. Van Ruymbeck nous dit « Ah, j'ai quelque chose à vous dire. » Oui, je dis « Ça y est, nous, on pensait que c'était une nouvelle hypothèse. » Il dit « Non, je vais quitter Rennes, je vais aller à Paris, au pôle financier, que je vais diriger, enfin voilà. » Et là, mettez-moi un coup de poing dans la tête, je vous dirais, ça fait le même effet. J'ai les larmes qui ont monté parce qu'on se dit à ce moment-là que tout ce travail qu'on a fait, c'est terminé. C'était pas évident. C'est vrai qu'il y a des contacts humains avec les enquêteurs qui se sont créés. Oui, je pars un peu la mort dans l'âme, quelque part, en disant « ils m'ont fait confiance, et je quitte le bateau ». C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais il y avait quand même le sentiment, et je pense que c'était partagé par les gendarmes, que tout a été fait. Il en reste encore dans le filet une centaine, espérant qu'il est dedans. De toute façon, j'ai mon successeur, là, Francis Debon, que je connaissais bien. Alors déjà, c'est garantie pour moi, c'est que j'ai quelqu'un de bien qui va reprendre. Bon, après, il faut l'annoncer à M. Dickinson. Et là, je peux vous dire que j'étais très mal à l'aise. C'est sûr que ça a été une grosse déception pour John Dickinson. Mais bon, il a accepté. Et il a constaté immédiatement que Francis Debon était un excellent magistrat. Je me suis senti tout de suite à l'aise avec lui et il m'a assuré qu'il ferait l'impossible pour trouver le meurtrier de Caroline. Quand je pars, je vais voir les enquêteurs. Je dis, bon alors, dites-moi combien il en reste, quoi, exactement où vous en êtes. Et dans ces 95, comme quoi, il y a des noms qui marquent. Il y a le fameux Arce Montes.
Il est parmi les profils qui sont remontés de toutes les gendarmeries françaises vers les enquêteurs de la cellule Dickinson à la demande du juge Van Ruymbeck. C'est le dernier rouge foncé. Je revois exactement la fiche que j'ai étudiée parce qu'elle m'avait frappé. Le modus operandi était très, très similaire. En 1994, près de Tours, il s'est introduit dans un centre de vacances. Les gendarmes l'ont interpellé. Il a été, non pas placé en garde à vue, mais interrogé quelques heures. Il a dit « Mais moi, je venais là, j'avais aucune intention de faire du mal à quiconque. » Mais il a laissé son nom, son prénom, son identité. Donc, il a fait l'objet d'une fiche. Alors, on savait qu'il avait déjà été condamné pour viol. Je me souviens, en Allemagne. Pas sur des jeunes filles, mais sur des femmes. Il ne colle pas forcément exactement au portrait robot, mais il a le profil vraiment parfait dans le comportement, dans l'attitude. Ils sentent qu'ils tiennent là un candidat au test ADN. Ils aimeraient bien le tester, Arce Montes. On n'arrivait pas à le trouver. On savait qu'il avait habité à Londres, où il était serveur. On savait qu'il était originaire d'Espagne, mais qu'il était inconnu au bataillon là-bas en Espagne. Il faisait partie de quelques personnes, au final, qu'on n'arrivait pas à localiser. Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Ça peut être lui, ça peut ne pas être lui. Mais vous savez, on est dans l'incertitude. Hein, et puis il faut un peu de chance dans la vie, hein, sinon on ne peut pas y arriver. On est 5 ans presque après le double crime. Francis Debon, le juge d'instruction, répond à une interview du Sunday Times, une journaliste en poste à Paris. Lui demande où en êtes-vous de la liste des suspects. Ce qu'il m'a dit à l'époque, c'était qu'ils étaient sur une liste de 48 noms. Et moi, je lui ai demandé, c'est pas, qu'est-ce qui est en haut de votre liste? Et c'est là où il a lâché Francisco Arce Montes. Puisque le juge nous donnait le nom, on n'avait pas de raison de ne pas le publier. En France, ce serait impossible de donner le nom d'une personne suspectée qui n'est pas mise en examen, a fortiori même pas en garde à vue, même pas interpellée. Mais comme c'était la presse britannique, la question ne se posait pas. Je pense aussi par ailleurs que c'était totalement délibéré de la part du juge Debon de me lâcher le nom parce que c'était une bouteille à la mer qui nous envoyait. Tout avait été fait, tourné, retourné, exploré dans tous les sens. Cet article d'Edith Coron va voyager. Il va prendre l'avion jusqu'à Détroit, où il va échouer en fait, sur le comptoir d'une compagnie et tomber entre les mains d'un agent des douanes américain qui s'appelle Tommy Antko. Lui, il feuillette le Sunday Times. Il découvre dans cet article le nom de Francisco Arce Montes. Et sa curiosité professionnelle va l'inciter à simplement taper le nom, voir si cet homme est entré aux États-Unis ou bien s'il a laissé une trace dans les fichiers de ce pays. Et là, bingo. Il voit que cet homme-là, recherché par la justice française, est actuellement en garde à vue à Miami, en Floride, parce qu'il s'est introduit de nuit dans un centre de vacances où il y avait des jeunes filles. Le dimanche dernier à Miami, l'homme fait irruption dans cette chambre d'hôtel où dorment 6 jeunes filles. L'une d'elles se réveille en sursaut, son lit est taché de sperme, elle alerte immédiatement les employés de l'hôtel. L'une des filles était très choquée, tous ses vêtements étaient déchirés. L'ADN du suspect est actuellement comparé aux États-Unis avec celui du meurtrier de Caroline. Des policiers français sont attendus aux États-Unis pour récupérer ces prélèvements. Je crois que c'est la seule fois où je pars en vacances avec Francis Debon. Et donc il me parle d'Arce Montes, interpellé aux États-Unis. Puis je lui dis, t'emballes pas, j'en ai eu des comme ça et c'était pas lui. Donc tant qu'il n'y a pas l'ADN, j'y crois pas. Ça fait 5 ans qu'ils le cherchent. Hein. Ils ont fait 3500 tests ADN, 7500 interrogatoires. Le 14 avril, la nouvelle tombe, on est sûr à 99% que l'ADN prélevé sur le corps de Caroline est bien celui de Francisco Arce Montes. Alors là, je suis tétanisé. Donc c'est un immense soulagement. On n'a pas fait tout ce travail pour rien, commencé par les enquêteurs. Moi, je vous cache pas, là encore, que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Une joie parce qu'on se dit, ça y est, nous y sommes arrivés. Would like to thank the media. Je voudrais remercier les médias de ne pas avoir oublié Caroline pendant ces 5 années. La couverture médiatique qui a accompagné ce drame me semble avoir permis ce dénouement. À partir du moment où l'ADN a confirmé qu'Arce Montes était bien violeur de pleine fougère, après c'était une question de temps, c'est tout.
Malgré son identification, grâce à son ADN, l'extradition du suspect ne va pas être une mince affaire. Francisco Arcemontes est en effet poursuivi aux États-Unis pour des faits qui pourraient justifier qu'il reste plusieurs années en détention dans le pays. Finalement, le 19 novembre, il est transféré à Paris et placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. À ce moment-là, l'affaire Dickinson devient l'affaire Arcemontes. La motivation des enquêteurs va changer, ils ont un nom auquel se raccrocher, dont ils vont pouvoir dérouler le parcours, voir à quel homme ils ont affaire vraiment précisément. Ils apprennent que c'est un homme qui bougeait beaucoup, espagnol bien sûr d'origine, qui a vécu à Londres pas mal d'années où il était serveur. Il a beaucoup voyagé en Europe. Il est incapable de se poser quelque part, donc il a une vie qui est assez vagabonde. Et on a l'impression qu'il fuit sans arrêt. Il passe d'un pays à un autre, à la recherche d'on ne sait pas quoi. Un an pile après les faits de Plaine Fougère, Arcemontes tente d'agresser un couteau à la main, une gamine, chez lui en Espagne. Il est arrêté, détenu provisoire pendant 3 mois, relâché avant son procès. Il prend la fuite en Amérique du Sud et là, il disparaît des radars européens. Toute sa vie, c'est une fille de prédateur sexuel. Il n'est pas malade mental au sens du code pénal, mais c'est un détraqué sexuel. De mémoire, il y a un de ses amis qui, à l'adolescence, déjà dit que ses plats préférés, c'est plutôt les jeunes filles de 10 à 12 ans. C'est quelqu'un qui est très immature. Il est conscient qu'il a une vie hors du commun. Il est conscient qu'il a commis des infractions et que la société le lui reproche. M. Arcemontes comprend bien que les faits sont très graves, que c'est une cour d'assises qui va se prononcer, qu'il risque la perpétuité. Il est très conscient de ça et il est écrasé par ça. Longtemps, les parents de Caroline Dickinson ont cru que ce procès n'aurait jamais lieu. Durant 5 ans, la justice eut bien des difficultés à élucider le mystère de Plaine Fougère. L'attente a été très très longue et du coup c'est vrai que tout le monde est très très impatient à l'idée de ce procès. J'en faisais la queue devant le Parlement, il y avait des camions de télévision partout. Donc on a une pression très forte qui se rajoute à l'enjeu de la sanction qui va être prononcée contre M. Arcemontes. Dans ce dossier, il n'y avait qu'une véritable difficulté juridique, c'était la question de savoir s'il y avait eu ou non intention homicide. Et lui, sa thèse, c'était oui, je l'ai violée, j'ai voulu la faire taire avec ce morceau de coton, mais jamais je n'ai voulu la tuer. Cette mort, il ne l'a pas voulu. Il l'a causée, mais il ne l'a pas voulu. Parce que c'est un violeur, pas un assassin. Il lui a été difficile d'accepter la gravité des faits qu'il avait commis. Hein. Francisco Arcemontes aura toujours la même attitude pour ce dernier jour de procès, figé et ailleurs. 4 heures de délibéré avant de mettre fin à 8 ans d'attente. Le verdict tombe, 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans. Le procès d'appel a eu lieu 1 an après à Saint-Brieuc. Le verdict a été exactement le même. Nous voudrions simplement exprimer notre gratitude envers tous ceux qui nous ont donné un soutien et rendu ce verdict qui donne une espèce de justice pour Caroline. Thank you. Je pense qu'une affaire, elle n'est jamais perdue. On voit beaucoup d'affaires, 10 ans, 20 ans après, ne sont pas résolues. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de révéler une affaire, il ne faut jamais lâcher. On l'a vu dans cette affaire, la traque de criminels qui sévissent dans plusieurs pays nécessite des moyens exceptionnels et beaucoup de persévérance. Il faut de la chance aussi. Et c'est grâce à tout cela que les enquêteurs français ont réussi à arrêter Francisco Arcemontes. Cela fait maintenant 20 ans qu'il est incarcéré en France.